Bonjour à tous les Breakers et bienvenue sur TGS Rockstar Club pour une nouvelle vidéo sur GTA Online pour répertorier une nouvelle position concernant l'OVNI et l'événement de l'OVNI qui dure depuis maintenant 2 semaines. Et donc vous voyez, il est en face de nous là. Et d'ailleurs, il commence à être un petit peu couvert par les nuages. On va le regarder un petit peu avec le téléphone, puis on va s'approcher, essayer de voir où c'est qu'il tape cette fois-ci. Ça semblerait être une autre ferme. Je sais pas si c'est pas la maison où il y a un message pour les aliens, justement. On va aller voir ça de plus près. On est parti. J'en profite pour vous répondre à quelques questions. Il y en a qui se demandent si pourquoi je réponds pas pour vos photos sur Instagram. Alors en fait, je réponds pas pour pas les oublier, en fait. Parce que si je réponds, j'ai peur d'en oublier. Donc, le montage avec vos photos des abos, avec les ovnis, c'est toujours en cours. Sauf que du coup, bah, c'est prolongé, vous en doutez, vu que les ovnis sont là une semaine de plus. Donc, ça sera le montage sera probablement pour dimanche prochain, à moins que ça soit encore prolongé. Donc, je vous tiendrai au courant, dans tous les cas. Donc, voilà, ça, c'était pour répondre à une des questions. Sinon, sachez que, au cas où vous ne l'aurez pas vu, j'ai mis la vidéo des tueurs en série, pardon. Elle est disponible depuis hier après-midi sur la chaîne. Donc voilà, vous avez tout ce qu'il faut, logiquement, pour vous aider un maximum à optimiser, comme il y a un abonné, merci de ton conseil, les trouvailles autour des killers et de la voiture fantôme, bien évidemment, qui sera aussi... les deux vidéos seront en lien dans la description, si jamais vous les avez ratées. Ah, ok. Mon hélico, il fume, alors je viens de le faire spawn. Bon, il m'a coupé dans mon élan avec sa musique, lui. Du coup, je crois que c'est tout ce que j'avais à dire, en fait. Ah oui, si, j'ai failli oublier. Donc, vous aurez aussi la vidéo ce soir à 18h. Une vidéo, mais alors, faut pas la prendre au sérieux. Hein. C'est vraiment de la détente. C'est un best-of. Je vais l'appeler, je pense, best-of Halloween ou un truc comme ça. Parce qu'on s'est bien marré ces 2 derniers jours, là, donc voilà. Donc, je vous ferai un petit montage de tout ça et on espère que ça vous plaira, quoi. Voilà. Je fais pas souvent ça, mais quand je vois qu'il y a des trucs assez drôles, j'aime bien les partager, voilà. Donc, on le fera... Oula. Ouais, c'est clairement là où il y a le message pour les aliens, en fait. Hein. Donc, on va essayer de se poser vers l'usine, là, voir si ça le fait pas péter. C'est la maison... On va se poser là, parce que de toute façon, l'autre, il est à bout, là. Hop. Voilà. Tranquille, frérot. C'est à la maison où il y a le message pour les aliens. Je sais pas si vous l'avez vu, de toute façon, je vous montrerai après, je vous montrerai l'endroit. Si vous connaissez pas... En fait, il y a une banderole Welcome extraterrestre, quoi, en clair. Hein. C'est avec une tête d'extraterrestre. Mais c'est vrai que là, on a l'impression qu'il est plus près, alors qu'en fait, c'est juste qu'il est un peu plus bas, quoi. Il est vraiment plus bas. Putain, mais il n'y a pas un moyen de monter. Il n'y a pas un silo pour monter, là? Putain, il y a l'arbre pile en face, hein. En fait, la maison, elle est dans une position bizarre qui fait que j'ai peur de m'en approcher, quoi. J'ai peur d'être trop près. Ah ouais, je l'ai fait péter. Ouais. Les éclairs, là, ça fait 2-3 fois que je fais... Ils sont pas ouf, quoi. Je sais pas si c'est des nuages qui ont couvert de ouf, là, mais... J'ai connu mieux comme éclair, quoi. Voilà, donc il tapait dans le jardin en bas, là. Voilà, il y a une banderole ici, là. Welcome. Voilà. Bon, peut-être que vous la connaissiez, hein. Je pense même que c'est plutôt relativement connu, hein, comme endroit. Hein. Donc voilà, c'est ici. Tac. Donc il spawn exactement ici, quoi, l'OVNI.
pense que le rayon il devait être pile poil dessus. Donc voilà, en tout cas, merci d'avoir visionné la vidéo. Si ça vous a plu, le pouce du soutien. N'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche des notifications si jamais vous voulez pas rater les prochaines vidéos sur GTA Online. Et vous pouvez d'ailleurs me suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram et TikTok. Tous les liens sont dans la description. Je vous dis à très vite pour d'autres vidéos. Et à ce soir, 18h, pour se marrer un bon coup. Allez, ciao.